Voilà, un petit arrangement dans le style reggae du morceau Morning de Bobby Timmons. Nous voilà dans l'improvisation. Donc, on va travailler uniquement pour les instruments à ut et après le reste, ça pourra se transposer facilement pour les autres instruments. Première chose à repérer, qu'est-ce qu'on nous indique pour l'improvisation? On nous indique les accords. Donc on a des accords. Le premier accord se lit Fa mineur 7. Alors pour réaliser Fa mineur 7, on a besoin de la tonique, de la tierce mineure. Alors la tonique c'est Fa la tierce mineure, La bémol, la quinte juste Do, et la septième mineure c'est Mi bémol. On écoute. Donc ici est associé sur la ligne des instruments à ut, clé de sol, le son de flûte. Voilà. Donc c'est pas toujours très joli pour les accords, mais bon, pour le travail, c'est pas mal. Voilà la première réalisation d'accord. Deuxième réalisation d'accord, on a La bémol 9. On a besoin donc de la tonique, c'est-à-dire le La bémol, la tierce majeure, Do, la quinte juste, Mi bémol. On a besoin de la septième mineure, c'est-à-dire Sol bémol, et on nous indique qu'il nous faut la neuvième aussi, donc on met un Si bémol. À savoir que quand dans l'accord on nous indique 9, la septième mineure est déduite aussi, hein, elle appartient à l'accord. Hein, voilà. C'est pas que la neuvième, ça veut dire qu'il faut bémol 7 et 9. On écoute cet accord. L'accord suivant, Sol 7. Il nous faut la tonique, Sol. Il nous faut la tierce majeure, c'est-à-dire Si majeur. Il nous faut la quinte juste, Ré majeur. Et il nous faut Fa, ici. Sol, Si, Ré, Fa. Et alors, Do 7 sus 4, c'est un Do septième, c'est un accord de dominante avec une carte suspendue. Il nous faut le Do comme tonique. Alors, il n'y a pas de tierce. La carte suspendue implique qu'il n'y a pas de tierce. Donc, on met la carte suspendue, c'est-à-dire le Fa. Il nous faut la quinte. Et la septième mineure, le Si bémol. L'accord suivant, Do 7, classique. Do, Mi bécart, Sol et Si bémol. C'est-à-dire tonique, tierce majeure, quinte juste, septième mineure. Cet enchaînement Do 7 sus 4, Do 7, c'est très classique. Hein. C'est-à-dire qu'on a la carte suspendue ici, le Fa, qui va se résoudre à la tierce ici, avec un mouvement d'un demi-ton vers le bas. Fa, Mi bécart. On écoute les deux derniers accords. Ok. On peut écouter l'ensemble. Ces accords sont tous dans leur position fondamentale et nous permettent déjà de déduire quelles sont pour notre improvisation les notes fortes, les notes qui vont être importantes à mettre en valeur. Ça, c'est le travail des accords. Alors, pour que ça fonctionne pour les autres instruments, si bémol, bi bémol, ça, comment on le fait passer? Alors, je vais copier la ligne qui est là, je me rends sur la ligne suivante. Je fais copier et là on a la transposition qui se fait automatiquement. Voilà. Et ainsi de suite, on pourrait le faire là en dessous et là en dessous, ça marcherait. Donc là, on l'a en version Si bémol. Ça peut se faire pareil, mais on va le faire. Allez, Mi bémol. Attention, c'est trop haut, on va le baisser. Et là, pour les instruments clés de Fa. Alors, des notes apparaissent en rouge parce que, par exemple, le son qui est associé à Mi bémol ici, c'est le sax alto. Et lui, il ne peut pas jouer ces notes, c'est pour ça qu'il me les met en rouge. Donc, il suffit de basculer une octave au-dessus et on n'en a plus ce problème. Ainsi que là, on a une note grise. Cette note grise, pareil, nous indique qu'on arrive en haut de la tessiture de l'instrument. Donc, on le prend, on le descend et ça marche très bien. Donc là, on a nos accords.
Par exemple, lui, pour le trombone, on peut le monter. Lui, c'est pareil. Lui, on va le laisser. Non, lui, ça fait trop haut. Par contre, ces deux, on peut les monter aussi, pareil. Ok, voici la partition pour les accords. Donc, ces accords, maintenant qu'on a écrit les accords, on va s'intéresser aux gammes et modes que l'on va déduire de ces accords. Alors, on va s'intéresser à Fa mineur 7. Fa, La bémol, Do, Mi bémol vont déjà appartenir à la gamme. Mais il va falloir remplir entre le Fa et le La bémol, qu'est-ce qu'on va mettre? Entre le La bémol et le Do, qu'est-ce qu'on va mettre? Entre le Do et Mi bémol, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, on va enlever les notes qui sont là. On se place ici. Alors, on a dit qu'on avait besoin d'un Fa. Donc, on va mettre un Fa. Il faut qu'on fasse la liaison entre le Fa et le La bémol qui est la tierce. Donc on va mettre un Sol. On va arriver au La bémol qui est la tierce mineure. Il faut qu'on passe entre le La bémol et le Do, entre la tierce mineure et la quinte. Donc on va mettre un Si bémol. Si bémol, il appartient à la gamme, à la tonalité d'origine. Là, on a la quinte, le Do. Alors, pour la sixte, on va choisir un Ré bécard. Je m'expliquerai après. Après, il faut qu'on arrive à la septième, c'est une septième mineure, donc mi bémol, et on arrive à la tonique. Donc maintenant, je vais écrire tonique, seconde, alors tierce mineure que je note bémol 3, la quarte, la quinte. Alors là, j'ai la sixte majeure, là, j'ai bémol 7, et là, j'ai la tonique. Donc bémol 7 pour tierce mineure, septième mineure, pardon. Bon. On voit bien que le Ré n'appartient pas à la tonalité d'origine. Bon, alors, il a fallu que je prenne une décision à un moment donné sur les notes avec lesquelles je voulais improviser. Je trouve que le Ré est plus joli à utiliser que le Ré bémol, d'autant plus qu'après le Ré disparaît ici. On n'en a plus l'utilité là. Le Ré bémol, pardon. Il disparaît, il n'est pas là. Là, il n'y est pas dans ces Sol, Si, Ré. Voilà. Et là, il n'est pas utile non plus. Alors, là où il aurait été utile, c'est ici, on va le voir après. Bon, mais du coup, j'ai préféré utiliser cette formule-là, tonique, 2 bémol 3, 4, 5, 6 bémol 7, tonique. Et ça, c'est ce qu'on appelle le mode dorien. Donc ici, on est à Fa dorien. Voilà, le mode, c'est Fa dorien. Alors, on peut l'écouter. Et on va voir que ça pouvait fonctionner avec un Ré bémol aussi. Voilà, mais là ça a une autre saveur, une autre couleur. Pas très. Je préfère l'autre. Je préfère largement qu'il y ait un Ré bécard. Alors, là on aurait eu bémol 6, donc on aurait été dans le aéolien. Le mode aéolien. Et là, on arrive à notre La bémol. La bémol. Alors, La bémol 9, c'est pareil, on va faire la même opération. Il faut que je commence avec un La bémol. Il faut que je passe du La bémol au Do. Je vais mettre un Si bémol. Le Do. Il faut que je passe du Do au Mi bémol. J'ai vu que tout à l'heure, j'ai enlevé le Ré bémol, j'ai mis un Ré bécard. Donc, je vais continuer à jouer un Ré bécard à cet endroit-là. Donc j'arrive à la quinte, le mi bémol. Il faut que j'aille au sol bémol qui est la septième mineure. Donc je vais jouer fa en sixte. Sol bémol mineur. Sol bémol, pardon, n'importe quoi. Sol bémol pour la septième mineure. Et on revient sur le la. Donc quand on analyse ça ici, on a la tonique. Alors le si bémol, il est à la fois à la seconde, mais c'est... Pour nous, c'est la neuvième, puisqu'il est donné comme neuvième dans l'accord. Là, on a la tierce majeure. Et là, on a... Alors, la quarte juste de la bémol, c'est Ré bémol. Donc là, on a une quarte augmentée. Ça se note, pour nous, on va la noter. Dièse 11. Pardon. Dièse 11. On va en faire...
une dièse 11. Après ici, on a la quinte. Là, on a la sixte. Là, on a la septième mineure. Et on revient sur la tonique. Donc, ce dièse 11 ici, c'est directement ce qu'on appelle une tension. Alors, on va écouter. Voilà, c'est cohérent d'avoir un ré bécard puisqu'on ne l'avait pas là. Donc, c'est le... Alors oui, le nom de ça, c'est bémol 7 et tierce majeure. Pour nous, c'est un mix, ça pourrait être un mixolydien. Mais en fin de compte, il y a cette tension ici, dièse 11, qui est la tension caractéristique du mode lydien. Donc, il s'agit de la bémol lydien. Mais normalement, en lydien, on a une septième majeure. Mais là, on a bémol 7. Donc, on l'appelle lydien bémol 7. C'est ce qu'on appelle aussi le mode de Bartok, de Béla Bartok. Voilà. La bémol lydien bémol 7. On passe à la suite ici. On fait du ménage. Alors, sol 7. Alors, on commence avec un sol. Il faut que je passe du sol au si bécard avec une note diatonique. Ça va être le la bémol. Là, on a le si bécard. Si bécard. Il faut qu'on passe après au ré bécard. Donc, on va utiliser le do pour arriver au ré bécard. Le ré bécard, il faut qu'on passe entre le ré bécard et le fa. On va utiliser une note diatonique qui appartient à la tonalité d'origine. On va mettre le bémol, on va au fa et on finit avec la tonique. On analyse ça. Donc on a tonique. Alors, normalement ici, la seconde, ça serait la bécard. Mais là, on a la bémol. Alors ça devient une tension. C'est la tension bémol 9. Ici, on a la tierce majeure. Là, on a la quarte. Là, on a la quinte. Ici, la sixte de sol, normalement, c'est mi bécard. On a un mi bémol. Donc, ça devient une tension qu'on peut noter bémol 6. Mais ici, ça sera bémol 13. Ça devient une tension. Là, on a la septième mineure, bémol 7. Et on revient sur la tonique. Donc, ici, on a bémol 7 et tierce majeure, on est dans un mode mixolydien, mais avec deux tensions supplémentaires, bémol 9, bémol 13. Donc, son nom ici, c'est sol, mi, mixolydien, bémol 9, bémol 13. Sol mixolydien, bémol 9, bémol 13. On est sur une base de mixolydien avec tierce majeure et septième mineure, mais on rajoute les tensions bémol 9 et bémol 13. Ici, ces deux accords donnent naissance à la même gamme. Alors, on va jouer do, ré bécard. Il me faut un mi bécard puisque j'en ai besoin ici. On a le fa, la carte suspendue qui était là, la quinte. Il faut qu'on passe de la quinte du sol au si bémol qui est la septième mineure. On va utiliser une note qui appartient à la gamme. On va mettre qui appartient à la tonalité d'origine, pardon. On va mettre la bémol. Pardon, pas deux fois. Une fois, ça suffira. On passe au si bémol, la septième mineure. On arrive à la tonique. Donc, l'analyse de ça, c'est tonique. Là, on a un ré. C'est la seconde. Tierce majeure. Quarte. Ici, on a la quinte. Alors, la sixte de do, la sixte majeure de do, c'est la bécard. Là, on a un la bémol, donc ça devient une tension. C'est bémol 13, bémol 7. Et ici, on a la tonique qui revient. Donc, on écoute ça. Ok. Le nom de ça,
Alors, le nom de ça, c'est bien un mixolydien, mais avec une altération, avec une tension, pardon, c'est bémol 13. Donc, c'est Do, Mi, Solidien, bémol 13. Et ça me fait penser qu'on vient d'écouter le Do mixolydien bémol 13, mais je crois que je préfère écouter celle-ci. On va l'écouter, le Sol mixolydien bémol 13. Ok, maintenant on peut écouter l'ensemble. Alors, Fa dorien, La bémol lydien bémol 7, Sol mixolydien bémol 9 bémol 13, Do mixolydien bémol 13, c'est parti. Voilà. Donc, ça nous permet quoi cette analyse? Parce que là, ça reste qu'un exercice. Ça nous permet d'avoir un pool de notes, un groupe de notes dans lequel on va pouvoir puiser pour improviser. Voilà, c'est tout. C'est un exercice. Mais à la fois, c'est un exercice d'analyse qui est intéressant, qui donne naissance, donc qui va donner naissance à différentes applications pour la suite. Bon, voilà. Je vous laisse faire votre propre chemin avec ça. Il en va de même qu'on peut copier. On peut les avoir pour les différentes tonalités et ainsi de suite. Allez, à plus.